Vous êtes préparateur de gardien. Rappelez-nous déjà votre nom. C'est Gawawi. Gawawi Lounas. Ah, Gawawi, voilà. Vous avez été gardien de la JSK quand il est venu jouer pour la première fois ici à Lubumbashi. Oui, c'était en 2000, année 2000, je me souviens. On a joué dans l'autre stade, l'ancien stade. Le stade de la Kenya. La Kenya, c'était un stade gazonné. Donc, j'avais l'honneur de jouer ici et de se qualifier de là. Mais heureusement qu'on a eu la coupe. À l'époque, on a gagné la coupe de la CAF, donc on a eu la coupe d'Afrique. On a fait un 5-0 chez nous, à Tizi Ouzou. Et on a perdu ici 2-0, donc on s'est qualifié pour les prochains tours. Alors, le match que vous aviez joué ici à Lubumbashi, vous aviez arrêté deux pénaltys. Oui, à l'époque j'étais jeune. Ouais. Donc, j'avais le statut de deuxième gardien de but. Comme à l'époque, j'avais 21 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à gagner ma place à partir de Lubumbashi. Voilà. Et puis j'ai fait une carrière avec la JSK et avec la sélection. Et alhamdoulilah, même si j'ai participé à une Coupe du Monde et à 4 Coupes d'Afrique des Nations. Et alhamdoulilah, maintenant je suis en retraite et je fais le boulot d'entraîneur de gardien de but. Quel souvenir vous gardez encore de ce match joué ici à Lubumbashi, en dehors de ces deux pénaltys que vous avez arrêtés à l'époque? Le souvenir que m'a impressionné, c'était beaucoup plus, c'était mon premier match en Afrique. Donc c'était ma première sortie. À l'époque, on s'est déplacé avec un vol militaire. Donc c'était un peu dur, c'était lent. Et puis après, on a vécu au cours de la semaine un drame. Il y a eu un joueur qui est décédé sur le terrain à l'époque. D'ailleurs, il a marqué 3 buts au match aller contre TP Mazembe. Et au match retour, il n'est pas venu, donc il s'est décédé. On a mal préparé le match, on ne s'est pas entraîné pendant 10 jours. Et donc c'était ma première sortie en Afrique. Et ça m'a fait plaisir d'être au Congo et de visiter le Congo. Et surtout d'arrêter deux pénalités dans un match. C'était ma première. Alors quand vous avez appris que vous deviez rencontrer pour ce barrage le TP Mazembe, vous vous êtes dit encore Mazembe? Non, parce que mon équipe, la JSK, a rencontré déjà le TP Mazembe en 2010. Et moi, en 2010, je n'étais pas avec eux, j'étais dans un autre club en tant que joueur. Donc on sait que le TP Mazembe est devenu, c'est pas le TP Mazembe de 2000. D'ailleurs, il a gagné... Il a gagné beaucoup de titres, beaucoup de coupes, donc il est rentré beaucoup plus dans le professionnalisme. Donc ça, c'est grâce peut-être grâce aux dirigeants, grâce à tout le monde. Peut-être il y a un grand travail qui se fait dans le club. Maintenant, on sait que les matchs se diffèrent et c'est pas 2010, c'est pas 2000. Donc maintenant, on est en 2017. Voilà, deux grandes équipes qui vont se rencontrer. On va essayer de faire un grand match et un bon match et j'espère que ce sera le fair play total.